Bonjour, c'est Monsieur Dumouya, votre professeur de biophysique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons commencer un nouveau chapitre, la mécanique des fluides. Bon, déjà, nous, quand on parle de fluides, les fluides, soit ce sont des gaz ou bien des liquides. Ce sont les deux types de fluides qu'on a. Maintenant, pour les gaz, il faut savoir que les gaz occupent tout l'espace qui leur est réservé. Donc, les gaz sont compressibles, c'est-à-dire le volume occupé par les molécules de gaz, on peut les diminuer. Donc, quand on diminue le volume occupé par les molécules de gaz, on augmente la pression. Mais là aussi, les molécules de gaz aussi sont expansibles. Le volume occupé par les molécules de gaz, on peut les augmenter. Et dans ce cas de figure, donc, la pression diminue. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit que les molécules de gaz occupent tout l'espace qui leur est réservé. Maintenant, si on prend les liquides. Donc, les molécules de liquide occupe un volume qui est indépendant de celui du récipient. Supposons, si j'ai un litre d'eau, je le mets, par exemple, dans une bouteille de 5 litres. Donc, le liquide va occuper uniquement 5 litres, mais ne va pas occuper tout le volume, euh, va occuper uniquement un litre, mais ne va pas occuper tout le volume des 5 litres. Alors que si c'était un gaz, le gaz allait occuper tout le volume. Là aussi, pour les liquides, les liquides sont peu compressibles. Et aussi, Expansible. Donc, tout à l'heure, on a dit que les gaz, on peut diminuer le volume occupé par les gaz. Mais là, le problème est que pour les liquides, si le liquide, par exemple, j'ai un litre euh, d'eau dans une bouteille de 1 litre, donc là, j'aurais du mal à mettre un litre d'eau dans une bouteille de 50 millilitres. Donc là, donc, pas 50 millilitres, mais 50 centilitres. Donc là, ce n'est pas possible. Maintenant, pour ce cours, ce qui nous intéresse, donc ce sont les liquides. Parce qu'on a dit que les fluides sont soit des liquides, ou bien des gaz. Mais nous, on va s'intéresser uniquement aux liquides dans ce cours. Donc, les liquides sont, seront considérés comme incompressibles et on va considérer que leur masse volumique ne change pas. Maintenant, nous allons voir les différents fluides liquides. Parce que nous, on a deux types de fluides. Donc, on a ce qu'on appelle les fluides parfaits. Donc, fluide parfait. On a aussi les fluides réels. Donc, fluide réel. Donc, nous, c'est ce que l'on a. Donc, les fluides parfaits aussi, on les appelle aussi des fluides idéaux. Maintenant, nous allons noter la différence entre les deux. Donc, pour les fluides parfaits, d'abord, il n'y a pas de frottement moléculaire entre les différentes molécules de liquide. Donc, autrement dit, les fluides parfaits sont non visqueux. Ensuite, les fluides parfaits ne dégagent pas de chaleur. Et enfin, l'écoulement se fait sans perte d'énergie. Maintenant, pour les fluides réels. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le contraire de ce qu'on a ici à gauche. Donc, pour les fluides réels, donc, il y aura glissement des molécules les unes sur les autres. Donc, cela veut dire qu'on aura des forces de frottement. Et conclusion, les fluides réels sont des fluides visqueux. Les, dans les fluides réels, il y aura un dégagement de chaleur. Et dans les fluides réels, l'écoulement se fait aussi avec une perte d'énergie. Maintenant, nous allons voir la pression au sein d'un fluide. Donc, pour déterminer la pression P, on a F divisé par S. F, c'est la force qui s'exprime en Newton et S, c'est la surface qui s'exprime en mètre carré. Donc là, on a Newton et là, nous avons des mètres carrés. La pression dans le système international s'exprime en Pascal. Donc là, on écrit Pa, donc euh, c'est Pascal. Maintenant, regardez, donc Pascal correspond à Newton par mètre carré. Mais il faut savoir que les Newtons, on aura M mu multiplié par une accélération, c'est-à-dire on a des kilogrammes multipliés par une accélération. Accélération, c'est des mètres par seconde au carré. Donc, nous, c'est ça que l'on obtient. Maintenant, regardez, si j'ai des kilogrammes, mètres par seconde carré, divisé par des mètres carrés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, déjà, attendez, je vais mettre ici mètre carré. Donc, si mètre carré passe au numérateur, on aura mètres moins 1, E euh, moins 2. Mètres moins 2 multiplié par M, ce sera mètres moins 1. Donc, autrement dit, Pascal, on aura kilogrammes, mètres moins 1, et seconde moins 2. Donc, ceci correspond à l'unité. Et maintenant, si on fait euh, l'analyse dimensionnelle, donc avec la dimension, il faut savoir que kilogramme, c'est une masse. Donc, on met M. Ensuite, qu'est-ce que l'on a pour euh, mètre C'est une longueur. Je mets L puissance moins 1. Et seconde, c'est un temps. Donc, je mets T puissance moins 2. Donc, là, je répète encore une fois. Pascal correspond à kilogramme, mètre moins 1, seconde moins 2. Et ça, c'est la dimension. On aura une masse multipliée par une longueur à la puissance moins 1 et multipliée par le temps à la puissance moins 2. Maintenant, nous allons voir l'hydrostatique. Donc, nous, quand on parle d'hydrostatique, nous avons un fluide immobile. Donc, le fluide ne bouge pas. Donc, dans ce cas, si le fluide ne bouge pas, donc fluide parfait et fluide réel, les deux se comportent de la même manière puisqu'il n'y a pas d'écoulement. Donc là, nous allons appliquer une formule qu'on appelle la loi de Pascal. Donc là, pour expliquer cette loi de Pascal, qu'est-ce que l'on doit faire? Donc là, je choisis, par exemple, j'ai un fluide, donc j'ai un liquide à l'intérieur. Je choisis d'abord ces deux points. Donc ces deux points, je peux les appeler A et B. Donc là, j'ai A. Et là, j'ai B. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut mettre? Donc ici... Je considère qu'on a un axe. Donc, pour cet axe, en bas, donc, nous avons zéro, parce qu'on part de zéro, ici. Donc, à ce niveau, j'ai l'altitude du point B. Donc, ZB. Et là, on a l'altitude du point A. Donc, pour expliquer la loi de Pascal, qu'est-ce que l'on doit faire? Donc, à tout moment, il faut savoir que si je prends la pression au point A, plus g z a. Ceci sera égal à la pression au point b plus g z b. Donc rho, c'est la masse volumique du fluide, g c'est l'intensité de la pesanteur. donc z a c'est l'altitude du point a et z b l'altitude du point b. Donc là, si je fais le calcul, j'aurai toujours cette égalité puisque le fluide ne bouge pas. Maintenant, moi, je vais essayer d'isoler pb moins pa. Donc, on aura ROG donc moins ROG ZB est égal à PB moins PA. Maintenant, à gauche, je vais mettre ROG en facteur. Donc, nous avons ROG moins ZB, ceci correspond à PB moins PA. Mais qu'est-ce qu'on constate? ZA moins ZB, donc là je peux l'appeler H. Donc c'est la différence d'altitude entre les deux. Donc autrement dit, PB moins PA sera égal à Rho, G, Z. Euh, pas Z, donc je vais mettre directement H. Mais qu'est-ce qu'on constate Ceci est positif. Pourquoi Parce que ρ est un nom positif, G est positif, H positif. Donc PA moins PB est positif. Conclusion, PA. Donc euh, là, je vais mettre PB supérieur à PA. Donc là, ce qu'il faut retenir, quand on vous donne deux points qui se trouvent dans un même euh, fluide, dans un même liquide, donc si le point se trouve en bas, par exemple, quand on descend, la pression augmente. Donc la pression qu'on a au point B est supérieure à celle qu'on a au point A. Donc si je me place ici, donc je monte par rapport au point B, donc la pression va diminuer. Mais autre chose aussi, je prends un autre point qui est là. Donc là, je considère que j'ai le même fluide. Donc, ce point, je vais l'appeler C. Par exemple, nous avons C. Donc, si on voit que A et B sont à la même altitude, euh, A et C sont à la même altitude, cela veut dire que PA sera égal à PC. Donc là, c'est ce qu'il faut retenir. Donc là, pour la loi de Pascal, d'abord, il faut savoir que le fluide est immobile, donc le fluide ne bouge pas. Et cette égalité est toujours vérifiée. Donc là, j'écris PA plus ρGZA égale PB plus ρGZB. Ceci aussi est égal à PC plus Roger ZDC. Et après, on peut isoler l'inconnu. Et c'est ce qu'il fallait retenir pour cette vidéo.